Wayo les amis, Wayo, et bienvenue sur la matinale du Kabuki. Voilà, des streams qui pop, qui n'étaient pas prévus, mais que j'avais mis quand même dans le planning mise à jour hier. Voilà, aujourd'hui on va être sur deux jeux, Pokémon et Cards le matin, et Kovos Peach l'après-midi. Vous allez voir, ça va être super. Un jeu que vous connaissez sûrement pas, et qui vaut le détour, un petit jeu indé musical punk. Bon, ça on en parlera à midi et demi. Pour l'heure, c'est Pokémon Écarlate, donc le premier let's play du DLC de la zone 0, partie 1, le masque turquoise. Voilà, je vous ai attendu, c'est sorti hier soir, non, hier matin, hier minuit, quoi. Et du coup, je devais le streamer demain matin, mais on va se le faire dès aujourd'hui, et on le refera aussi demain matin. Voilà. On va découvrir, il va falloir que je reprenne en main le jeu, j'ai pas joué depuis des mois et des mois, depuis que je l'avais terminé, je n'avais pas remis les mains dessus. Du coup, il va falloir que je retrouve les boutons, tout ça, ça va être sympa, puisque je vous ai carrément attendu pour lancer le truc, car je crois que ça se lance direct en fait. Donc comme ça, on voit le tout début du DLC pour ceux qui hésitent, ou ceux qui zappent le DLC. Et qui veulent pas se le prendre, mais qui veulent quand même le voir. Bienvenue sur la matinale du Kabuki. Nous sommes le jeudi 14 septembre et il est 7h35. Petit temps de chargement. Voilà, c'est ce que je disais. Donc là, ça reprend direct là où j'étais. Enfin, je crois que j'étais là, j'en sais rien. Mais en tout cas, je reçois un appel. Allô Kabuki, c'est Monsieur Jack à l'appareil. Bonjour monsieur. Je suis désolé d'interrompre ta chasse au trésor, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tous les ans à cette période, l'Académie organise un voyage scolaire en collaboration avec un autre établissement. Eh bien, crois-le ou non, tu as été sélectionné pour y participer. Oh cool! Le voyage scolaire va se dérouler à Septentria. Une contrée lointaine située à l'est d'ici. Comme le voyage est long, nous n'avons sélectionné qu'une poignée d'élèves. Tu te rends compte de la chance que tu as d'en faire partie? Je t'invite à te rendre dans le hall d'entrée de l'académie pour en savoir plus. Bien entendu, rien ne t'oblige à y aller, mais cette occasion ne se représentera peut-être pas. Alors si tu es curieux, je te conseille vivement d'y prendre part. Sur ce, je te laisse. À bientôt. Alors, ah bah oui, j'étais sûrement par là parce que je chassais quelque chose. Il y a un petit raid là-bas. Ah oui, c'est vrai que j'ai un code à rentrer aussi. Parce qu'avec le DLC, on a des petits cadeaux. Et il va falloir que je trouve. Alors, comment... Donc ça, c'est vers le haut. Ok, je me fais attaquer. Rien à voir. Alors, il y a eu une grosse mise à jour qui a précédé ce DLC, donc mise à jour qui est dispo pour tout le monde. Je sais pas en fait s'ils ont amélioré un petit peu la technique du jeu ou pas. Alors il faut que je trouve les boutons. Donc vers le haut c'est pour faire des trucs, voilà, là c'est appareil photo vers le bas. Et gauche droite. Plus, voilà, plus j'ai mon véhicule. Ah voilà, je peux sauter, voler, etc. Pas très efficace, super efficace. On va essayer d'attraper un Pokémon parce que je vais essayer de me refaire la main. Un au pif, voilà. Alors, un petit fauchage.
Voilà. SCX du coup, avec une Pokéball classique. Il n'est pas resté dedans. Une Super Bowl. Et après, on va partir dans le DLC, hein, vous inquiétez pas. Donc, c'est toujours aussi buggé, hein, avec la Pokéball à moitié dans le sol. Bro chien, il est dans la boîte PC. Ok, alors, si je fais moins, j'ai la map. Non, mais je dois pouvoir m'en sortir à partir de là. C'était quoi la map? Non, c'est pas ça. B, X, c'était pas la map? Non, Y, voilà. Y, et je veux aller ici. Ah, c'est chaud de s'y remettre, hein. Ouais, on va aller là, hein. On peut aller là. Oui. Téléportation. Alors moi j'avais pas fait les DLC épée bouclier, j'avais bypassé, et là j'ai eu envie d'essayer pour voir ce que ça donnait. Où sont les étudiants sélectionnés pour le voyage scolaire? Mais on est là. Une petite seconde, tu ne serais pas... Tu fais partie du groupe sélectionné pour participer au voyage scolaire. Comment t'appelles-tu déjà? Je m'appelle Kabuki, madame. Mais oui, Kabuki. Je suis ravi de rencontrer un élève aussi poli que rayonnant. Tiens, tu possèdes un orbe Terra Crystal? Je constate que les élèves de l'Académie de Paldea ne manquent pas de ressources. À moins que tu ne sois un élève particulièrement exceptionnel. Oups, je parle, je ne suis même pas présenté. Je suis... Madame Bria. Veuillez excuser mon retard. Ah, Kabuki, quelle chance pour toi d'avoir l'occasion de partir en voyage scolaire, alors que tu n'en es qu'à ta première année de l'académie. Je t'envie, j'aimerais bien y aller moi aussi. Hey, j'avais oublié les pertes de frames de ce jeu pour les trucs en arrière-plan. Eh oui, bravo, j'ai failli en parler en plus. J'ai failli en parler, Kay. Et re-coucou, bien sûr, j'espère que ça va bien. Ouais, les fameux 1 ou 2 FPS, c'est ça? Ahem. Oh, pardon, Madame Bria. Où en étais-je? Ah oui, je suis Madame Bria, j'enseigne à l'Institut Myrtille. C'est une école située dans la région d'Unis. Madame Bria occupe le poste de responsable pédagogique. Ouais, le fameux FPS symbolique. Bah ouais, ça va, tranquille aussi. Et TV, ça fait du bien. Surtout en ce moment, grosse semaine au taf. Donc. Et puis du coup, petit stream, la matinale, tout ça, quoi. Nintendo Direct à 16h. Mais je serai en tête à tête avec mon boss. Donc je le verrai en rediffusion, malheureusement. Cette année, c'est notre établissement qui prend en charge les élèves. Et j'ai fait le déplacement. J'ai fait le déplacement pour venir vous chercher. Alors ça me fume à chaque fois les bulles qui finissent pas, quoi. Mais bon, faut se rhabituer. Septentrion est célèbre pour ses rizières qui façonnent le paysage. Ah, tu risques de craquer. Hey. Tu sais que c'est Japon médiéval, Septentrion. C'est un lieu perdu dans la campagne, mais qui regorge de mystères, tu verras.
On y a d'ailleurs détecté une énergie identique à celle qui se manifeste lors de la terra-cristallisation. À Paldea. Oh. J'ai personnellement hâte de pouvoir étudier tout cela de près à l'occasion. Franchement, toute la technique, les bugs, la Pokéball à moitié dans la terre et tout, franchement, je m'en fous. Mais la bulle là, qu'il faut appuyer deux fois pour la lire en entier, ça me gave. Même si entre nous, je rêve surtout d'explorer le fond du cratère de Paldea. Vraiment? C'est-à-dire que sans l'accord de Monsieur Clavel ou de la Ligue, je... Bien sûr, je suis tout à fait au courant des règles. J'ai d'ailleurs déjà fait ma demande et j'espère obtenir une réponse bientôt. Une réponse positive, cela va sans dire. Ouais, après, c'est pas pressé, je pense. Hein. En plus, c'est en deux parties. Deuxième partie à Noël. À la limite, tu prends ça à Noël, tu fais les deux parties, t'es refaite. Du coup, tu as fait FF16, Kay, ou pas? Ou tu es vraiment à fond FF14? Oh, pardon, Kabuki, je t'avais complètement oublié. Je pense que tu l'auras compris, ce voyage est une occasion unique d'étendre ta chasse au trésor, au-delà des frontières de Paldea. Tu l'as commencé, ok. Moi, je suis toujours... je m'arrête toujours au 6, hein. J'ai vu pas mal de gameplay du 16, mais c'est plus ma cam. Montre-moi ton moti smart, je vais mettre à jour ton Pokédex. Eh oui, j'ai un moti smart Evoli, soyez pas jaloux. Vous avez désormais accès au Pokédex de Septentria. Ah, t'as commencé la match de FF14 et après il y a eu Starfield et Paldea. Ah oui, tu t'es mis sur Paldea, moi j'attends la version Switch. D'ailleurs, certainement qu'ils vont l'annoncer. Tout le monde parle des gros leaks et tout du Nintendo Direct. Mais je pense qu'on va avoir les dates de Paldea, de Princess Peach, etc. Donc. Et oui, moi, avec les Agrico Stream, Kay, il y a aussi Harvest Moon qui arrive. Il y a un truc de dinosaures là, fin septembre aussi. Les dinosaures à la ferme. Paléo quelque chose là. Enfin, ça va être une dinguerie aussi. Plus Mario RPG, plus Mario Wonder, plus. Et voilà, maintenant tu vas pouvoir y enregistrer tous les Pokémon de Septentria. J'ai également reçu l'autorisation de ta mère. Tu peux donc partir l'esprit serein. Amuse-toi bien. J'ai pas du tout suivi après Paldea, je suis assez sceptique sur le long terme à voir ce qu'ils en font. Ouais, je sais pas, c'est vrai que Paldea, entre temps il y a eu Fae Farm. C'est vrai que maintenant j'ai mis une petite réserve, mais bon, on verra, on va sûrement craquer. Ce qui est sympa dans Paldea, c'est que ce soit MMO quoi. Ah ah ah, ton professeur a l'air si honnête, cela lui donne un certain charme. Bref, j'espère que les longs voyages en avion et en bus ne te font pas peur. Préviens-moi quand tu seras prêt à te rendre à Septentria. Bon, on va dire qu'on est prêt, hein, parce que là, franchement, j'ai pas joué depuis des lustres. Voilà, sauvegarde en cours, très bien, bah go, hein. Alors, Kabuki, tu es prêt à te rendre à Septentria? Oui. Merveilleux, nous partirons quand tout le monde sera réuni. Apparemment, les membres du voyage ont été sélectionnés par tirage au sort. Ah bon? Il me semblait qu'on m'avait choisi parce que j'étais spécial. Augustin, Obi-Wan Kenobi. Comment il va, le père Augustin? C'est pas du Kenobi aujourd'hui. C'est pas de la ferme, mais c'est du farm. Ce sera donc l'occasion de faire de nouvelles connaissances. Mon rôle est de vous accompagner, mais entre nous, je compte profiter du séjour, moi aussi. À propos, connais-tu le livre écarlate? Je sais plus. je sais plus. Je crois que oui. Hein. Je m'en doutais. Après tout, c'est l'ouvrage du siècle en matière de paranormal. Ah. À vrai dire, l'auteur de ce livre, Breyer, est en fait mon ancêtre. Ah. D'ailleurs, je possède encore le manuscrit original.
Ah, ça blague pas. Tu vois ces pages, elles étaient pratiquement illisibles dans la version publiée du manuscrit. Ah, on va découvrir de nouveaux Pokémon. Légendaire. Un Pokémon disque. Il me semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était-ce un Pokémon? Était-ce même vivant? Je n'en suis pas certain. Sa carapace constituée de plusieurs couches d'hexagones scintillait encore plus que des joyaux, et sa forme évoquait un disque. J'ai décidé de donner un nom provisoire à cette créature. Terrapagos. Je soupçonne que son corps est composé de la substance même qui permet aux Pokémon de se cristalliser et de briller. Sur l'illustration, c'est Terrapagos. Briar raconte qu'il aurait rencontré ce Pokémon mystérieux dans un lieu enfoui encore plus profondément dans la zone zéro. Malheureusement, personne ne l'a jamais cru. Eh ben, on va le catcher, hein. On sent pas l'aspect MMO dans Palia, tu me dis, Kay? Bah, du coup, ça me refroidit un peu, là. Je rêve de découvrir Terrapagos et de prouver que mon ancêtre avait raison. Et bien joué, Augustin, pour le petit surnom Kanubi. Mais pour cela, il faudrait déjà que j'obtienne l'autorisation d'entrer dans la zone zéro. Augustin, t'as regardé sur Pokémon. J'ai regardé quoi? Bref, laissons tout ceci de côté pour l'instant. Je dois me concentrer sur la tâche qui m'a été confiée. Ah non, je l'ai pas regardé, non. C'était hier soir, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ben, j'ai regardé Gunther. Tout simplement. Madame Bria, on est là. Nous sommes au complet, parfait. On part avec tête d'ampoule et tout. Sur ce, en route pour Septentria. Icône de chargement avion. Ah, ils ont fait fort Game Freak là, ils sont lâchés. Alors tu attends quoi Augustin du Nintendo Direct de 16h? À part F-Zero bien sûr. Est-ce que tu attends des choses non leakées? Voilà, le masque turquoise, on y est. C'est pour ça qu'on est là ce matin. On est enfin à Septentria, youpi! D'abord l'avion, puis le bus. J'ai les fesses en compote à force de rester assise. Ah ah ah, c'est vrai que le voyage a été long. Nous n'oublions personne, tout le monde est là? Ah, c'est les jeux qui t'attendent. Bravo Augustin, tu fais ton data. Malgré les gros pixels, ça a l'air joli cette nouvelle zone. Bah oui. Hein. Oui, madame. Très bien. Tout d'abord, bienvenue à Septentria. Surtout que je disais, Kay, qui a eu une grosse mise à jour avant de lancer le DLC ou le même jour. Donc on s'est dit que peut-être ils avaient amélioré un peu des trucs techniques ou autres. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et Augustin qui fait l'ignorant. Je note, Augustin, je note. Très bien. Tout d'abord, bienvenue à Septentria. Ah oui, il faut que je vous montre le nouveau truc délire que j'ai fait. Point d'exclamation Hatsune. J'ai fait ça avec des IA. Wayo, c'est Hatsune qui bienvenue sur la chaîne des Kabuki. N'oublie pas d'être mignon et de follow. Voilà, c'est un trip. J'en ai fait une avec Johnny, une autre avec Booba, mais j'ai pas encore fait les vidéos. C'est ici que va se dérouler votre voyage scolaire. C'est le seul Pokémon que j'ai pas réussi à 100%, c'est-à-dire Pokédex à fond. Moi, je l'ai pas fini le Pokédex. Hein. Par contre, j'ai terminé le jeu. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens ici et le cadre a de quoi surprendre. Admirez ce paysage champêtre, il est vraiment éblouissant de beauté.
Là-bas, c'est Jaderode, le village qui nous servira de base pour nos activités. Après, ça dépend des jeux qui sortent en même temps, avant, après, etc. Ok, moi, ça a dû être le cas. Et Augustin qui dit que la ressemblance est fortuite. Je suis pas sûr. Je pense que tu as emprunté une punchline de Data Reaper, Augustin. Madame, je me sens pas très bien. Oh non, serait-ce dû au mal des transports? Faisons une pause, nous en profiterons pour admirer les rizières. Cool. Kabuki, puis-je te parler un instant? J'ai une faveur à te demander. Peux-tu te rendre au centre culturel de Jaderode pour prévenir l'intendant de notre arrivée? Dis-lui aussi qu'un élève ne se sent pas très bien. Et comme si ça t'a fait. Merci, je compte sur toi. Pendant ce temps, je vais rester ici et m'occuper de lui. Alors, direction Jaderode, voir. Appuie sur le bouton L ou le bouton R depuis l'application carte pour passer d'une carte à l'autre. Vous pouvez rejoindre en taxi volant les endroits indiqués par une marque en forme d'L, même s'ils se trouvent sur une carte différente. Ok. Ah oui, donc je peux vraiment passer d'une zone à l'autre sans pitié, quoi. C'est cool. Et donc on veut aller ici. Je viens d'appuyer sur X en me disant bah tranquille, je vais prendre mon Coraidon et faire de la moto. Eh ben non. Démerde-toi à pied. On va chercher les cadeaux. Ouah, direct comme ça, tac, une grotte. Donc voilà, si vous cherchez une CT. Machination, elle est ici. Premier pro tips. Allez, je me casse. Bon, en plus, il y a tellement longtemps que j'ai pas joué que je reste tombé sur des Pokémon. Et de me dire, tiens, c'est un nouveau. Pardon pour les fans. Il y a vraiment longtemps que j'ai pas joué. Pour l'instant, je vois que des trucs connus. Donc ça, c'est les rizières, les amis. Oh, c'est quoi ça? On va lui éclater sa tronche. Ah, il était niveau 57 quand même, hein, ça blague pas ici. Bon, dans le riz, il n'y a pas un Pokémon qu'on ne connaît pas? Oh! Par contre, j'ai des gars dans les choux et tout là. Et je peux. Comment on faisait le camping? Est-ce que vous vous rappelez? Donc ça, c'est plus. Si je fais moins, c'est la carne. Comment je vais au camping? Je peux monter un camping où je veux, non? Là, je peux siffler, ouais, ok. Vers le bas, j'ai les photos. À droite, c'est pour se changer. X, alors X, pique-nique. Bah quoi? Ah voilà. Ça c'est ma team. Quand j'avais arrêté de jouer. Mettre fin au pique-nique. Du coup, je sais pas si ça les recharge. Non, j'ai pas l'impression. Ah si, c'est bon. Enfin oui et non, j'en sais rien en fait. Et que lui qui est pas remonté à fond, ok.
Donc voilà, ça c'est les rizières. On pouvait pas sauter. Il me semblait qu'on pouvait sauter. Bon. Ça, c'est pour lancer mon poteau. Les grains seront mûrs, on pourra récolter plein de riz et le dire sur les réseaux sociaux. Ok. Lol, Amai, comment il va? Je savais que l'odeur du Pokémon allait t'attirer. Piou, j'ai bien bossé, bravo. Ah, l'autre il a clippé, il a disparu, normal. Alors il y a aussi ce côté-là des rizières. Du riz dans les sandwichs? Oula, personne à Septentrion ne mangerait ça, je pense. On t'a rien demandé en fait. J'ai signé mon contrat de taf à Maï, ça c'est bon, il prolonge son visa. Et alors c'est quoi ton taf? T'as le droit de le dire, t'as envie de le dire? Putain, ils me remettent sur la route ces enfoirés là. Bon allez, on va faire ce qu'ils disent. Une entreprise qui peut soutenir ma demande de visa. Oui, bah oui. Ah parce que c'est pas toutes qui peuvent. Est-ce qu'on est bon sur le son du jeu ou est-ce que c'est pas un peu trop faible? Oh, regarde! Je vais dans le management d'étrangers. Ok. Tu es un élève de l'académie de Padea, c'est ça? 5 sur 5, nous dit Augustin. Ok, bah on touche à rien alors. Trop cool! Cassis, chut. Je m'appelle Roseille. Et je peux pas laisser un inconnu entrer dans mon village. Pas de bol, hein? Ah d'accord, on va se fighter. Tu veux passer? Alors botte-toi contre moi. Tout ça parce que t'as envie de te battre. Pas cool, Roseille. Alors Amai, c'est une société en lien avec la santé qui engage entre autres du personnel médical de l'étranger au Japon. Qu'est-ce que j'attends, Kabou, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il attend, le père Kabou? Je vais réfléchir. Casse, j'ai dit chute. Tu peignerais mon petit frère, il dit n'importe quoi. Oumph. Allez, en place. Bah, si tu veux fighter, moi je suis niveau 100, tu vois. Ah, c'est du street fight là. Je vais lui montrer comment on accueille les intrus ici. J'attends des nouvelles de Zelda Tears of the Kingdom. Ah, c'est trop tard. Bah oui, on sait qu'il n'y aura pas de DLC à Mai. De toute façon, moi, j'en attendais pas. Hein. Je le savais déjà. On n'attend pas des nouvelles de la nouvelle Switch parce que c'est trop tôt. C'est trop tôt. S'ils doivent annoncer ça, ça sera début octobre, je dirais. Si ça sort en 2024.
On va avoir des news de... Bah, il y a des trucs qui ont été leakés. Moi, ce que j'attends vraiment... Qu'est-ce que j'attends vraiment? J'attends du Dragon Quest 3, non? Voilà ce que j'attends vraiment. En HD 2D. La polémique du moteur Unity. Non, j'ai pas entendu la polémique, mais j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être du... Enfin, que Unity 5... Non, c'est Real Engine. Ah ouais, non, j'ai pas entendu la politique du... La polémique du moteur Unity. Ah, c'est parce que c'est Real Engine que les indés sont en PLS. Pour l'instant, rien n'a été annoncé par Nintendo. Donc les gars, ils se prennent la tête. Même s'il y a plusieurs sources qui se croisent et se recroisent sur le fait que la Switch aurait été montrée au Gamescom. Pour l'instant, on sait rien. Surtout qu'elle n'a pas été montrée, apparemment, ils ont rien vu. Hein. Ils ont juste vu des PowerPoint et des vidéos. Ils ont pas vu de console là. Alors Unity va apparemment taxer chaque jeu développé sur Unity installé. Ah oui, rien à voir avec la Switch du coup. Changer de Pokémon, allez, on va piffer. Fireman, envoyé au combat. Todd qui est déjà conséquent en plus, ouais c'est vrai, on est d'accord Augustin. Et salut Selendil. Ou alors ils vont nous faire GTA, comme ça se vend et qu'elle va durer sur une génération en plus de la, en plus, la Switch. C'est possible. Je pourrais peut-être enfin y jouer, qui sait. Ah ouais, Silksong, bah c'est... en fait on l'attend tellement Silksong qu'il va finir par se faire oublier je pense. Hein. Allez, feu contre feu. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Je suis sous entrave. Allez, ciao. Et ouais, un gros GG pour... on va lui mettre un petit GG même. Allez. C'est pour toi, Amai. Vous voulez qu'il oublie une capacité pour apprendre vibra-soin? Non. Je sais pas. Non, pour l'instant. Poltergeist, changer de Pokémon. Non, on change pas de Pokémon. Ah non, Poltergeist. Ah oui, c'est le nouveau. Je dis n'importe quoi, pardon pour les fans. Hey Nico Danger, comment ça va? Tu as reçu le nouveau Falcom, Kabou? Tu parles duquel? Le Nayuta? C'est de ça que tu me parles? Ou le Cry Machina? Machina. Nayuta, ben non, j'ai pas reçu. J'ai envoyé un mail au gars hier. Et en fait, je me suis aperçu qu'il était en congé jusqu'à hier. Donc, mais il m'a pas répondu. Parce que d'habitude, je reçois les Falcom, allez, 20 jours avant. Cry Machina, c'est pas Falcom, non, mais c'est NIS. Parce que oui, donc j'allais te poser la question, est-ce que tu l'as vu passer, toi? Est-ce que c'est moi qui ai un problème avec eux? Ou est-ce que c'est qu'un problème pour envoyer? Peut-être parce que le gars était en vacances. J'ai entendu que des gens l'ont eu. Merci pour l'info. Bah écoute, je sais pas. Peut-être que j'irai pas droit, mais jusqu'à présent, ça fait 2 ans que Agnès m'envoie tout. Je sais pas, soit il y a eu un petit couac, soit je sais pas. Ils ont peut-être revu leur politique. Et je suis encore étonné à chaque fois d'en recevoir un. Hein.
Et j'ai pas eu de formulaire pour disponible pour Disgaea 7 aussi. C'est du coup j'ai demandé s'il y avait quelque chose. Disgaea, comment vous appelez ça d'ailleurs? T'es puni, ouais, c'est possible, je vais punir. Pourtant j'ai bien assuré le steak avec Rhapsody et tout. Mais bon, on verra. Non, je pense qu'il y a eu un petit couac de vacances. J'ai la haine, je suis super forte pourtant. Disgaea, voilà. Disgaea 7. 7. Je sais pas comment on dit en jap. Pour l'instant, on n'a pas de formulaire là-dessus. En fait, tu as tout juste la moyenne. Ça passe, mais peut mieux faire. Bon, allez, on va dire que tu peux entrer dans le village. Mais par contre, c'est moi qui commande. Vu? Quelle autorité? Ah, j'aime bien sa tête à lui. C'est reparti. Allez, viens, casse, on se barre. Alors, c'est pas un nouvel opus Pokémon, Nicodanger. C'est le DLC qui est en deux parties. Une partie maintenant, c'est sorti hier. Et une deuxième partie, je crois que c'est en novembre ou en décembre. Donc, c'est le DLC. On est parti en voyage scolaire à Septentria. Donc dans ce bled là où il y a des rizières, ça fait un petit peu Japon, pas médiéval, mais un peu plus campagne, je dirais. Et apparemment, il y aura un Pokémon légendaire dans le coin. Non, non, c'est pas le nouveau Pokémon, du coup, c'est toujours la même, le même code de dev. Bonjour, mon petit, tu dois être un élève de l'académie, je me trompe? Oh, il a un symbole Pokéball doré là, comme il se la pète. Je suis l'intendant du village, je m'occupe un peu de tout ici. Et c'est moi qui suis chargé de vous accueillir. Ces deux petites canailles t'ont cherché des noises? Non, on va pas Poucave. Non. Ils sont vraiment intenables. Surtout Roseille. Cet enfant a toujours été difficile. Je suis navré si elle t'a causé des soucis. Comment? Un élève est malade! À l'arrêt de bus, sapristi! Je vais de ce pas à sa rescousse. Quant à toi, mon petit, attends-nous à l'entrée du hall du centre culturel. C'est le bâtiment juste derrière moi. À tout à l'heure. Petite cinématique. Par ici, tout le monde. Merci d'avoir transmis le message à l'intendant Kabuki. Kabuki, ton camarade va déjà beaucoup mieux. Alors, où en étais-je? Ah oui, derrière moi se trouve le centre culturel. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il vous faut pour vous loger pendant votre séjour. En principe, les élèves de l'Institut Myrtille devaient d'ailleurs vous rejoindre, mais ce centre sera finalement réservé aux élèves de l'Académie Orange. Après tout, c'est normal, les élèves de l'Institut Myrtille sont originaires de ce village. Ne restons pas là, suivez-moi à l'intérieur. Ok. À la fin de ce live, je vous montrerai. On ira dans l'eShop et je vous montrerai le jeu qu'on va faire ce midi. Vous allez voir que c'est assez particulier et je suis assez content d'avoir pu choper le dev pour qu'il m'envoie la clé. Donc, je ferai un petit teasing à la fin du stream. Vous pouvez garder vos souliers quand ils sont trop sales, lavez-les au robinet près de l'entrée. D'accord. L'intérieur est joli, n'est-ce pas? Le bâtiment n'a rien à envier aux grandes villes. Il est neuf et équipé des dernières technologies. Waouh, merci Nico Danger. Allez, pour toi, on va mettre Capi. 23e mois d'abonnement. Bientôt les 2 ans. C'est beau, c'est beau.
DLC donc, je trouve que ces jeux prennent de plus en plus de profondeur, mais les graphismes progressent bien. Je trouve que ces jeux prennent de plus en plus de profondeur, mais les graphismes progressent bien. Bah, pour l'instant, ouais, c'est du même niveau qu'avant le DLC, hein, je pense. La cafétéria est là-bas et les toilettes sont ici. Après, il a beaucoup été critiqué, Nico Danger, ce jeu, hein, graphiquement. Tu voulais faire une somme, utiliser les chambres du fond. Tu voulais faire un somme, pardon. Il y en a assez pour tout le monde, vous n'aurez donc pas besoin de les partager. Et sinon, Augustin, pour répondre à ta question, bah, je sais pas trop ce que j'attends. J'attends d'être surpris, parce que là, on a déjà le line-up jusqu'à Noël. Si, j'attends de voir s'il y a des belles surprises pour... soit en instant, directement après le direct, soit après janvier, quoi. Bien, je pense avoir fait le tour. Vu qu'il y a eu un Nintendo Direct qui a annoncé un peu les trucs de fin d'année déjà il n'y a pas très longtemps, je dis pas de conneries, donc je me dis que là 40 minutes, il y a de quoi dire des choses, à moins qu'ils s'attardent sur un truc en particulier, qu'ils prennent des plombes. Mais vu qu'ils ont déjà fait le Mario à part, en direct, je me dis qu'il peut y avoir quand même pas mal de trucs à 16h. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à la dame de l'accueil. La dame de l'accueil, qu'on peut aussi appeler la dame de la cantine, etc. Merci infiniment pour cette visite guidée. Allons les enfants, un petit mot gentil pour ces personnes qui nous reçoivent chaleureusement. C'est un bonheur d'être ici. Tant de politesse, cela fait chaud au cœur. Profitez du séjour et faites comme chez vous. Selendil, graphiquement, il n'y a plus rien à en tirer, juste déjà si c'est fluide et sans bug. Voilà, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi, Selendil. Moi, je défends pas Pokémon sur le fait que Game Freak, ils font vraiment aucun effort technique. En revanche, je me suis régalé sur le jeu. Et puis, en fait, c'était tellement bien. Au niveau de l'ambiance, du gameplay et tout, que on en oublie les graphismes en fait. Et du coup, ça passe crème. Il est encore un peu tôt, mais je vous propose de dîner dès maintenant. Et c'est ce qui les sauve, hein, sinon ils auraient déjà coulé, je pense. Nous avons préparé un festin, il y en aura pour tout le monde. Génial! Par contre, là où ça fait peur, alors hier j'écoutais les Nintendo avec KB et tout ça, et ce qu'il disait, c'est vrai que c'est pas con, c'est que ça parlait de la Switch 2, donc soi-disant qui serait de équivalent PS4 ou PS5 d'un niveau technique et tout. Là où ça fait peur, c'est si tu donnes une machine aussi puissante dans les mains de Game Freak, ils sauront pas quoi en foutre, vu que déjà ils savent pas quoi faire d'une Switch. Aïe aïe aïe. Je pense pas, c'est le mot Pokémon qui les sauve. Tu penses? Bah, c'est quand même Pokémon, voilà, le gameplay, etc. C'est lié à Pokémon. Hein. Ben oui, c'est vrai que c'est une grosse licence. Tu as raison, Céline. Ce soir, c'est quartier libre, mais attention, les activités du voyage scolaire commenceront dès demain matin. Essaie donc de ne pas te coucher trop tard. On va essayer. On va parler un petit peu à tout le monde. Poli, oui, super. Bon, il y a un Pokémon insecte dans ma chambre. J'adore les Pokémon insectes. Vous allez vous coucher, non, pas tout de suite. Quel genre d'activité on va faire demain? J'ai besoin de savoir, sinon je ne vais pas réussir à dormir. Alors, après, le jeu est peut-être bon et moi je suis le public visé depuis la version DS. Eh oui, c'est ça, moi depuis la Game Boy et d'autres. En fait, sur chaque génération de console, il y aura du public visé, je pense. Hein. Moi, je suis comme toi, hein, c'est pareil, je suis pas très regardant là-dessus. Les bons plats de Septentrion étaient-ils à ton goût? Ce sont les toilettes pour hommes. Ce sont les toilettes universelles. Ah bon? Et ce sont des toilettes pour femmes. Ah bon? C'est énorme. Est-ce que dans le futur on aura 3 chiottes?
La cuisine septentrionale a l'air à la fois très saine et délicieuse. Comme quoi? C'est une salle de réunion, rien qui vous concerne en somme. Ce sont des tablettes en libre-service, mais elles n'ont plus de batterie. Attention, le prix de certains services du centre culturel augmentera à partir du mois d'octobre. Les nouveaux tarifs de location de salles et d'hébergement sont indiqués ci-dessous. Ben, je pense pas qu'on puisse sortir. Mieux vaut éviter de vadrouiller dehors en pleine nuit. Donc il ne nous reste plus qu'à nous pieuter. On lui a parlé à la dame, non? Soyez le bienvenu, cher étudiant de Paldea. Le personnel du centre culturel de Septentria est là pour agrémenter votre visite. Sachez que les bordures de l'écran de votre Motismart peuvent désormais changer selon la région où vous vous trouvez. Le changement sera visible lorsque vous utiliserez votre sac, par exemple. Voulez-vous modifier les bordures de l'écran de votre Motismart? Oui. Ah, j'ai mis garder. C'est nul. Oui, je veux choisir. Ah non, j'ai mis aux couleurs de Paldea. Alors ça donne quoi? Je vais dans mon sac. Voilà. Et maintenant, on va changer. Choisir les bordures automatiques. Voilà. Maintenant, je vais aller dans mon sac. Et voilà. Voilà, c'est plus sympa, j'aime bien. Ok. Et ben voilà, on va se pioter. Voulez-vous aller vous coucher? Oui. Et Nico Danger qui est sur l'overlay maintenant, sur le bubble tea. Merci à toi encore. Merci pour le soutien, ça fait plaisir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. À partir d'aujourd'hui, les élèves de l'Institut Myrtille se joindront à nous lors de nos activités. Allons, présentez-vous à vos camarades. Salut la compagnie, moi c'est Roseille. Je suis enchanté de faire votre connaissance, bande d'un... je veux dire, mes chers camarades d'une lointaine contrée. Moi c'est Cassis. Cassis et Roseille sont originaires de ce village. N'hésitez pas à aller les voir en cas de besoin. C'est compris, vous deux? Je compte sur vous pour aider nos invités si nécessaire. Bien sûr. Ok. À la bonne heure, je vais maintenant vous expliquer en quoi consistent les activités de ce voyage scolaire. Il s'agit ni plus ni moins d'une course d'orientation. Vous formerez des équipes de deux et devrez trouver trois pancartes disséminées aux quatre coins de Septentria. Sur chaque pancarte se trouve un extrait d'une vieille légende de notre belle contrée. Vous devrez toutes les lire. Ensuite, je veux que vous preniez en photo que vous vous preniez en photo ensemble devant ces pancartes. La course sera terminée quand vous aurez pris des photos de vous devant les trois pancartes. En d'autres termes, cette course d'orientation est une manière de découvrir l'histoire de Septentria. C'est plus drôle que d'écouter les longs discours d'un vieil homme, n'est-ce pas? Quelle idée merveilleuse! En voilà une activité ludique et studieuse à la fois. Et avant que j'oublie, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous recevez la perche à Motismart. Vous mettez la perche à Motismart dans la poche objet rare. Alors la perche, une perche compatible avec les Motismart, elle permet de se photographier d'un peu plus loin lorsqu'on prend des selfies. Appuyez sur X pendant que vous prenez un selfie pour utiliser votre perche à Motismart. Vous pourrez alors prendre des photos d'un peu plus loin, ce qui est pratique pour poser avec vos amis ou vos Pokémon. On raconte que c'est en vogue en ville, cela vous sera utile pour prendre les photos. J'ai d'ailleurs inventé une pose qui déchire, rien que pour vous, vous allez adorer. Donc on a appris la pose cool. Ok, ça c'est fait. L'un des objectifs de ce voyage scolaire est de créer des liens entre nos deux écoles. En plus, nous avons la chance d'avoir à nos côtés deux élèves qui connaissent Septentria sur le bout des doigts. Je compte sur vous pour former des binômes avec un ou une élève d'une autre école afin de favoriser les échanges culturels. Et alors, faut choisir là? Comment ça se passe?
t'appelles Kabuki, c'est ça? Ben c'est moi, je rêve. Tu vas nous faire l'insigne honneur de nous choisir comme partenaire dans cet incroyable échange culturel? Oui. Comme c'est généreux de ta part de prendre l'initiative, je suis tout ému. En tout cas, je peux te dire que t'as fait de l'effet à mon petit frère Cass ici présent. Une fois à la maison, il n'arrêtait pas de parler de toi. Impossible de faire changer de disque de toute la soirée. Mais Rosey, il a pas besoin de savoir, t'es bête ou quoi? C'est toi qui es bête. Et tu me parles mieux que ça, ok? Ça y est, il fait son timide. Bref, comme tu peux le voir, mon petit frère galère avec les mots. On sera encore là demain si on attend qu'il pose la question lui-même. Donc je prends le relais. Tu veux bien l'affronter en combat? Allez. Tiens, en plus t'es sympa. C'est Cass qui va être content. Cass, Kabuki a dit oui pour le combat. Hein? Lui contre moi, vraiment? Vraiment? Allez en place vous deux. Et les autres écartez-vous, on a besoin de place. Attention, j'arrive. Cassis, le dresseur, veut se battre. Il envoie Fouinette. Et on envoie Cisaiox. Wow, je vais pouvoir me battre contre toi, je suis trop content. Je vais pas être déçu du voyage. Vas-y, Fireman, j'ai confiance en toi. Fireman. Cassis envoie Yanma. Au revoir, Yanma. Bravo. Hé hé, tu sais viser là où ça fait mal, trop fort. Wow! On gagne 2600 balles, c'est cool. C'était un super combat. Bravo, je suis ravi de voir des élèves apprendre à se connaître au détour d'un combat amical. Wow, je le savais déjà, mais t'es vraiment, vraiment trop fort. Pas mal, Cass, je reste la meilleure de nous deux. Mais t'as pas été trop ridicule. Mais Ah oui, au fait, il fallait former des binômes pour le truc, la course d'orientation, non? Tu peux faire équipe avec Cass, alors. Ah, mais non. Quoi, non? Tu vas pas faire équipe avec moi, quand même. Je vois pas l'intérêt. Quitte à devoir former un binôme avec un intrus, autant que ce soit Kabuki, non? Mais Bon, prends ça pour un oui, il est juste trop timide pour articuler. Quant à moi, je vais aller me trouver quelqu'un avec qui faire équipe. Prends bien soin de mon petit frère. Les binômes sont prêts, à la bonne heure. Dans ce cas, je vous envoie la position des pancartes sur vos motismarts. Et voilà, que la course d'orientation commence. Et si vous manquez de potions de Pokéballs, ne cherchez pas plus loin. Il vous suffit de vous rendre à la boutique de la pêche. Pour les pancartes, je pense qu'on devrait commencer par le parc Adorami. C'est à l'ouest du village, après les pommerais. C'est la pancarte la plus proche et c'est par là que l'histoire commence. Comme ça, on pourra la suivre dans l'ordre.
Mais je risque de te ralentir, donc je te rejoins là-bas. Ok. Ok, donc R pour sauvegarder, voilà. Dans le doute. Il est 8h29. Bon, on va s'arrêter là, puis on reprendra le live demain matin pour la suite de Pokémon. Sachant qu'on va regarder maintenant Kovok Speech. J'espère que vous êtes toujours là dans le chat. Hop, on va faire ça. Donc il est où? 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 Il est là. Voilà. Tac. On va aller voir dans l'eShop. C'est un petit jeu indé. Je pense qu'il mérite le détour. Car c'est un jeu musical. Il n'y en a pas beaucoup. Et je vous mets la bande d'annonce. Bah, je crois que c'est un gars tout seul qui l'a fait, ou ils sont pas beaucoup. C'est sorti il y a 2 semaines maintenant, je crois. Mais bon, comme il y a eu pas mal de trucs, ou 1 semaine sur l'eShop. C'est dispo sur Steam aussi. Et donc, ça sera le stream sponsor de ce midi. J'y ai pas encore joué, je vous ai attendu, donc on verra si c'est compliqué ou pas. Voilà, c'est chez Red Black Spade. D'ailleurs, Red Black Spade, je voulais voir s'il y avait son petit jeu là. Non, en fait, il avait fait. C'est un développeur qui avait fait un jeu qui était vraiment très intéressant. On déplaçait 2 personnages en simultané pour éviter des pièges, etc. C'était très réflexion. Et il y avait derrière une grosse histoire psychologique. Il a monté sa petite boîte d'édition. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai retrouvé parce que je l'avais interviewé à l'époque. Ouais, il y a au moins 4 ans. Hein. Et du coup, bah, il m'a mis en relation avec le développeur de Kovok Speech. Et c'est comme ça qu'on a eu la clé, les amis. Voilà, c'était le petit aparté. Donc là, c'est sauvegardé. On va partir chez Data Reaper en raid. Je prépare le syndrome Kabuki. Voilà. Non. Si. Il est là, le syndrome Kabuki. Je prépare le raid et on va se dire au revoir. Data Reaper, voilà, qui est bien matinal ce matin. Le raid est lancé. Je vous fais des bisous, des checks. Merci à tous d'avoir été là. Si tu es sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit, ça donne de la force. Voilà, on est 213 actuellement. Ça peut encore monter. Ça peut encore monter. Oui. Allez, j'envoie le syndrome Kabuki, on part chez Ripo et je compte sur vous bah, pour foutre le bordel chez lui, hein, comme d'hab. Bye bye. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Le syndrome de Kabuki a été décrit par Noriyo Nikawa en 1981 au Japon. Et il touche une personne sur 32 000. Le nom du syndrome a été donné en référence au Kabu, le fameux Kabuki au Japon. Kabuki au Japon. Quel âge donneriez-vous à ce jeune homme? Le fameux Kabuki. Ce syndrome n'est pas forcément étrange en soi.
étrange en soi. Au Japon. Mon père, lui, reste indifférent, mais ma mère, elle en a un peu ras-le-bol. Parce que ça fait beaucoup de bruit.